please do remember to select the channel you're going to be recording. So if it's, let's say, English, stay on the English channel, and French, the same. Do you want our cameras off until we're taking the floor, or cameras on for the sort of till we're done speaking and then gone? It's a good housekeeping rule to, if you're not taking the floor, to turn off camera and the microphone until it's your turn. So you turn off. So thank you for that. So Eleonora, probably in about a minute, we'll let everyone in from the waiting room. You can wait another minute or so, because it always takes a couple of minutes for people to come in. And then you can just go ahead and start. And just obviously, you know, remind people they'll need to choose their language, even though we'll be getting to the French a little bit later. I'll go through the housekeeping as well, yeah. Great, okay. All right. When you wish, Leila, you can let everybody in. Okay, great. All right, so I'm going to let them in, Leonora, but I think you just wait a couple, just wait maybe a minute or two. Great. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. I'm pleased to welcome you to this. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravie de vous accueillir ce webinaire sur la planification en situation d'urgence. Nous avons la note d'orientation sur l'élaboration d'une politique enseignante adaptée aux situations de crise, travail de l'UNESCO, de l'OIT, de l'UNICEF en 2020 sous l'initiative norvégienne sur les enseignants. Nous allons mettre en exergue quelques dispositions clés afin que cette politique enseignante soit adaptée aux situations de crise.
Il faut comprendre le rôle des enseignants, il faut tirer les enseignements de notre expérience très riche. Le webinaire fait partie du processus de consultation. Il s'agit d'un nouveau module que nous développons qui montre comment cette politique enseignante adaptée aux crises peut constituer un complément au travail de la TTF sur les enseignants 2030. D'abord, quelques consignes d'ordre général. Vous pouvez garder la caméra, mais merci de désactiver le microphone si vous ne prenez pas la parole. Les participants devraient également désactiver leur micro. Et si on vous invite à parler, vous pouvez mettre la vidéo et le microphone en marche. On encourage le public à se servir du forum chat. N'hésitez pas à transmettre vos commentaires par le forum chat au cours des discussions. Et vous pouvez suivre l'interprétation en anglais ou en français en cliquant sur l'icône globe au monde en bas de votre écran. Alors, je voudrais accueillir nos intervenants. Nous avons une belle diversité de représentants. Nous avons d'abord Madame Gerd Hanna-Holsen, qui est chargée des politiques pour la Norvège, et elle est coprésidente de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030. Nous avons également Monsieur Carlos Vargas Thomas, qui est chef de la section de la formation des enseignants au siège de l'UNESCO, et il est directeur du secrétariat de la TTF. Nous avons également Madame Constance Alezuyo, qui est responsable de la coordination du programme de réponse éducation du secrétariat des réfugiés et des communautés d'accueil du ministère de l'Éducation et des Sports en Ouganda. Nous avons également Madame Angéline Néa Domboy, qui est secrétaire technique pour l'éducation en situation d'urgence avec le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales au Burkina Faso. Et nous avons deux enseignantes. Nous avons Madame Stella Turehe, qui est enseignante nationale, qui travaille dans un camp de réfugiés en Ouganda. Et nous avons Madame Grace, qui est enseignante et personne déplacée interne d'origine burkinabé. Alors, nous savons qu'il y a l'Institut de l'éducation de l'UNESCO qui travaille sur la planification et la gestion et qui cherche à faire en sorte que toute planification soit adaptée aux situations de crise. Il faut comprendre comment ces risques et ces catastrophes ont un impact sur l'éducation. Il faut identifier les stratégies à mettre en place pour réduire ces impacts et pour assurer la continuité d'une éducation de qualité, même dans des circonstances absolument catastrophique. Nous savons que les enseignants jouent un rôle central dans l'éducation et que jouent un rôle également comme modèle des comportements pour avoir une bonne cohésion sociale et pour assurer la sécurité des uns et des autres. Mais les enseignants se retrouvent face à des défis et il y en a qui ont à faire face à des problèmes de carrière ou d'insécurité financière ou sociale. Il y a parfois des politiques de recrutement ou de déploiement qui ont un impact inéquitable et il y a des occasions limitées de développement professionnel. Ces défis sont souvent exacerbés dans des situations de crise. En 2017, nous avons lancé un programme de recherche pour participer à la base d'informations de référence sur l'enseignement dans ces situations de réfugiés et pour identifier les politiques déjà en place dans des situations de réfugiés en Éthiopie, en Jordanie, en Kenya et en Ouganda. Alors, nous allons apporter cette expérience à notre discussion d'aujourd'hui et nous avons eu avec l'Institut l'occasion de collaborer avec ces différentes entités. Alors, je voudrais donner la parole à Madame Gerd Hanna-Holsen. Vous avez la parole. Merci beaucoup.
Eleonore, et merci aux organisateurs d'avoir organisé ce webinaire et merci de tout le travail qui a été fait sur la coopération pour avoir cette politique enseignante adaptée aux situations de crise. Alors, on m'a demandé de vous donner le contexte d'une initiative norvégienne sur les enseignants et je vais vous montrer le cadre d'activité de ce travail. Ensuite, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont fait le vrai travail. Alors, le gouvernement norvégien attache une grande importance à l'éducation. C'était prioritaire en 2013-2014 avec le nouveau gouvernement élu à l'époque. Et la qualité de l'éducation était une priorité absolue. Il fallait voir l'impact des enseignants, du milieu scolaire, la réussite des apprenants. Et nous voulions consacrer plus d'efforts à ces sujets. À l'époque, nous disposions de plus d'informations sur la pénurie d'enseignants et on voyait les projections afin d'atteindre les objectifs de l'ODD numéro 4 pour l'éducation de qualité pour tous. Et nous avions l'ODD 4C qui était une priorité de l'agenda mondial. Nous avions également vu que les politiques enseignantes n'étaient pas forcément exhaustives. Parfois, on avait une approche un peu parsemée et on avait besoin de politiques plus cohérentes. Et les représentants des enseignants, les syndicats, n'étaient souvent pas consultés lors de l'élaboration de nouvelles politiques. Et nous avons vu qu'il y avait la nécessité d'avoir plus de consultations, d'avoir des processus de consultation plus inclusifs et plus sensibles. Alors maintenant, on a un soutien au niveau de nos partenaires mondiaux. Nous collaborons avec ces partenaires. Nous avons quelques programmes bilatéraux. Il était donc normal pour nous qui voulions faire plus de nous tourner vers ces grands partenaires multilatéraux dans l'éducation et vers l'éducation internationale. Alors en 2015, après consultation de ses partenaires, notre premier ministre a lancé une initiative enseignante. C'était lors d'un sommet à Oslo cette même année. Alors, ensuite, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OIT, le partenariat mondial, la Banque mondiale et éducation internationale, en collaboration avec NORAD, a rédigé ce qu'on appelle maintenant l'initiative norvégienne sur les enseignants. Cette initiative comporte deux éléments. Il s'agissait de renforcer la collaboration avec des organisations partenaires au niveau mondial. C'était parce que ces partenaires nous disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de capacités du côté de ces organisations consacrées de manière spécifique aux enseignants, bien qu'il existe des éléments liés aux enseignants. Alors, nous voulions faciliter la collaboration entre les partenaires et cela, c'était basé sur leurs commentaires et l'expression de leurs besoins. Ensuite, il y avait la collaboration entre ces partenaires dans certains pays afin de voir comment collaborer pour soutenir les pays en développement dans leur travail sur l'élaboration de meilleures politiques enseignantes plus exhaustives. Alors, il y avait la collaboration mondiale en général pour les enseignants et ensuite des démarches spécifiques consacrées à des pays donnés. Alors, les quatre pays, il y avait le Burkina Faso, Ghana, le Malawi et l'Ouganda. Alors, le développement de ces politiques relatives aux enseignants a été soutenu par les pays, selon les pays, avec le soutien d'organisations nationales. Il y a également les syndicats et il fallait que les enseignants s'approprient ces initiatives parce que ce sont les enseignants qui mettent en place ces politiques enseignantes jusque dans la salle de classe. Et bien sûr, il fallait consulter la communauté des bailleurs de fonds. Nous avons vu différentes formes dans les différents pays. Nous avons développé différents produits et tous les pays ont constaté des progrès et ont reconnu également des obstacles et des défis qui existeront toujours et d'autres défis liés à la pandémie de COVID-19. Alors, la perspective, c'était de viser des politiques pertinentes à long terme, mais également des politiques sensibles adaptées aux crises.
Alors, le rôle du HCR dans cette collaboration avec l'initiative mettait l'accent sur les réfugiés et d'autres partenaires, bien sûr, travaillent dans des situations de crise et dans un cadre à plus long terme. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la création de politiques adaptées aux situations de crise. Si vous vous intéressez à voir plus d'informations sur l'initiative norvégienne sur les enseignants, vous n'avez qu'à nous contacter, nous pourrions partager des informations. Et moi, j'attends avec impatience d'entendre plus sur le nouveau module qui va accompagner le nouveau guide développé par la TTF. Et je suis ravie de voir que ce travail a été facilité dans le contexte de l'initiative norvégienne sur les enseignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gerhanna. Et merci à l'initiative norvégienne sur les enseignants d'avoir encadré ce travail. Alors maintenant, nous allons approfondir le sujet. Je vais donner la parole à M. Carlos Vargas Tames pour entendre parler de cette nouvelle situation avec la politique adaptée aux situations de crise. Merci beaucoup, Eleonore, et merci d'avoir présenté l'initiative norvégienne sur les enseignants qui nous a permis de développer encore des orientations et des guides. Et c'est notamment pour ce qui nous intéresse là, c'est pour la question des situations de crise, que ce soit lié à des changements d'ordre naturel ou climatique, ou que ce soit provoqué par des situations de conflits armés ou pour des situations biologiques ou sanitaires telles que nous voyons en ce moment avec la pandémie. Alors je crois qu'il est très opportun de voir cette discussion en ce moment et de profiter des travaux très importants développé par les différents partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, merci de votre introduction et merci, Léonora, de votre soutien dans l'élaboration de ce guide. Et bien sûr, nous avons l'initiative que nous allons voir du point de vue des participants nationaux qui vont nous donner leur retour. Alors, merci, bonjour à tous. Comme on vient de dire, j'ai la possibilité de vous présenter ce nouveau module sur l'élaboration d'une politique enseignante adaptée aux situations de crise. Et ceci est dans le cadre de l'initiative norvégienne sur les enseignants et dans le contexte de TTF de l'UNESCO aussi. Alors, nous avons la présentation. Je crois que tout le monde peut voir la présentation. Alors, ce module est fondé sur les preuves et les expériences sur le terrain de multiples organisations. Bien sûr, nous avons l'IPE et l'UNESCO, nous avons le HCR et des partenaires dans le domaine de la planification adaptée aux situations de crise. Et là, c'est pour une question des enseignants. Ici, nous allons lancer le processus de consultation et nous espérons que les partenaires clés présents aujourd'hui et au-delà auront la possibilité de nous répondre, de nous fournir des exemples et mes collègues vont vous montrer les liens là où on a la possibilité d'interagir. Et quand ce travail sera finalisé, il sera annexé au guide. Alors maintenant, nous passons à la diapo suivante. Pourquoi avons-nous besoin d'une politique enseignante adaptée aux situations de crise? D'abord, nous pensons qu'il est important pour différentes raisons. Il faudrait que les politiques puissent s'appliquer à une situation de crise comme on peut le reconnaître. On voit qu'il y a de plus en plus d'interruptions, de dérangements au système éducatif et avec la pénurie de ressources à travers le monde, nous avons de plus en plus besoin de telles approches. Nous voyons que l'incidence accrue de crises et de catastrophes à travers le monde est claire et c'est une menace à la continuité, à la qualité de l'éducation, ce qui
fait qu'il y a de plus en plus de personnes déplacées à travers le monde, il y a de plus en plus de réfugiés, de demandeurs d'asile, mais des personnes déplacées internes aussi. Fin 2020, il y avait plus de 82 millions de personnes qui étaient déplacées à cause de persécutions, de conflits violents, de violations des droits de l'homme, de catastrophes naturelles et d'autres événements graves qui avaient menacé l'ordre public et qui avaient mis en danger l'éducation. Alors, on estime qu'il s'agit de 35 millions d'enfants. Et pour la continuité de l'éducation, cette crise a augmenté des défis qui existaient déjà. Alors, ce travail va de pair avec le fait que les systèmes d'éducation ne sont pas toujours préparés à des situations de crise. Alors, des plans de réponse en situation de crise manquent dans beaucoup de pays. Alors, cette absence de planification aggrave encore plus des situations chaotiques, ce qui veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'options. Les directeurs d'établissements scolaires et les enseignants jouent un rôle donc essentiel dans la réaction à ces situations de crise. Nous l'avons vu avec la situation de la pandémie, qui est un exemple très important de la situation des systèmes d'éducation qui ne sont pas en mesure de répondre à ces crises. Et bien sûr, il y a de nombreux effets néfastes chez les enfants et les jeunes. Ce n'est pas uniquement une question de sécurité physique ou de santé physique, mais vous avez également le bien-être affectif et mental, et notamment chez les enfants déplacés. Et bien sûr, tout cela a un impact sur les résultats scolaires. Il y a des problèmes spécifiques et des besoins psychosociaux auxquels les enseignants doivent répondre. Et dans ce contexte, les enseignants bien préparés peuvent jouer le rôle d'agents critiques, peuvent aider, soutenir et protéger les enfants en question, peuvent les aider à apprendre et leur donner un sentiment de sécurité, de normalité. Il faut donc qu'il y ait les politiques nécessaires parce que les enseignants ont besoin de formation, ont besoin de soutien pour le bien-être psychosocial. Ils ont besoin des équipements et du soutien financier nécessaire à tous les enseignants pour qu'ils puissent ensuite soutenir les apprenants et dans tout le processus d'apprentissage et de bien-être. Alors ici, nous pouvons voir comment les enseignants et la gestion des enseignants sont affectés par les crises. Comme je l'ai dit, les enseignants et les autres personnels d'éducation sont essentiels pour avoir une continuité pédagogique, mais aussi une qualité et une équité de l'enseignement dans les situations de crise. Alors, ils sont touchés de nombreuses manières. Tout d'abord, les crises ont de nombreuses conséquences, notamment l'absentéisme. Cela peut créer un roulement plus important des enseignants et cela peut aussi créer des pénuries d'enseignants. Il peut y avoir moins d'enseignants disponibles parce que certains se sont enfuis, notamment pour des raisons de sécurité, ou ils ont été blessés, tués, voire déplacés. Les enseignants peuvent aussi ne plus avoir accès aux écoles à cause de problèmes de sécurité dans l'établissement scolaire ou sur le trajet entre chez eux et l'école. Ces enseignants peuvent être aussi malades, subir des traumatismes et tout cela peut donner lieu à beaucoup d'absentéisme, mais aussi beaucoup de changements dans l'équipe enseignante au fil de l'année, ce qui rend la situation pire. Donc la sécurité de l'emploi, le bien-être, la sécurité des enseignants, tout cela doit être protégé au mieux lors de situations de crise. Les enseignants peuvent être aussi confrontés à une insécurité financière dans les situations de crise. S'ils sont déplacés, il peut être difficile de payer les enseignants en dehors de leur région, de suivre leur mouvement
au sein du pays et bien entendu entre différents pays. Parfois, les pays d'accueil n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir payer les enseignants qui ont été nouvellement recrutés. Et ce manque de fonds rend la situation financière des enseignants très difficile. De plus, les enseignants peuvent avoir besoin d'une aide psychologique, tout comme les apprenants. Il faut donc pouvoir répondre à leurs besoins physiques, émotionnels, et c'est essentiel pour que les enseignants puissent eux-mêmes aider les apprenants. Enfin, il y a bien entendu la question de la qualité des enseignants. Une baisse de la qualité peut être observée dans les situations de crise. En effet, les enseignants se retrouvent dans des classes qui sont surpeuplées. Ils ont des apprenants avec de nombreuses caractéristiques très différentes en termes d'apprentissage, de langue parlée, de besoins psychosociaux. Et donc, les enseignants font face à ces grandes difficultés. Ils n'ont pas forcément les manuels qui leur permettent d'enseigner, etc. Donc, ces enseignants ont besoin de revoir leur pratique d'enseignement, leur pratique pédagogique. Les ministères peuvent avoir aussi du mal à attirer des enseignants qualifiés et doivent par conséquent s'appuyer sur des volontaires, des enseignants communautaires qui n'ont pas forcément les qualifications appropriées. De plus, il peut être difficile d'avoir accès à des formations pour les enseignants lors des crises, et tout cela doit être pris en compte quand on développe des politiques enseignantes adaptées aux situations de crise. Et c'est cela qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on pense aux différentes actions qui peuvent être mises en place par les enseignants pour avoir des écoles qui permettent d'aller vers un environnement équilibré et équitable. Nous avons pu voir dans les situations difficiles comment les écoles et les enseignants peuvent permettre de protéger les enfants de la violence et du chaos qui existe en dehors de l'école. Donc ces crises impliquent qu'il faut repenser la gestion des enseignants pour pouvoir gérer, atténuer les conséquences des conflits et des désastres et réagir après la fin de ces conflits et de ces catastrophes. Alors, la prochaine diapositive va vous présenter des points que vous connaissez peut-être déjà. On peut voir les 9 dimensions du guide pour l'élaboration d'une politique enseignante. Je pense que vous les connaissez déjà. Alors, j'espère que mes collègues vont pouvoir remettre la présentation à l'écran. Mais donc j'aimerais vous rappeler que nous avons lancé le guide pour l'élaboration d'une politique enseignante fin 2019. Il y inclut donc 9 dimensions, du recrutement des enseignants au développement professionnel, en incluant les questions d'opportunités de carrière, etc. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez les 9 dimensions à l'écran. L'objectif est de s'intéresser à certaines de ces dimensions pour voir comment les politiques peuvent être mieux adaptées aux situations de crise. Alors maintenant, j'aimerais vous parler des domaines politiques clés. Donc, les domaines politiques clés, ceux sur lesquels nous nous sommes concentrés. Alors, nous nous sommes appuyés sur les recherches que nous avons analysées, qui nous ont permis en fait de déterminer quels étaient les facteurs qui avaient des conséquences sur le bien-être et les qualifications des enseignants. Ces facteurs incluent la qualité de la formation initiale, les conditions de travail et bien entendu la participation à la prise de décision qui a des conséquences sur le travail des enseignants. Donc vous avez ces différents domaines à l'écran et nous utiliserons en fait ces différents domaines pour ajouter des informations au guide. Ensuite, j'aimerais vous présenter la structure que nous aimerions avoir pour le module. Donc, pour ces domaines que j'ai déjà présentés, nous allons donc parler des principaux défis qui y sont liés,
Ensuite, dans le module, il y aura un certain nombre d'objectifs qui doivent être atteints pour prévenir ou répondre aux crises. Donc voilà ce que nous proposons. Donc dans tous les domaines, il y aura une stratégie pour les acteurs de tous les niveaux, que ce soit au niveau central, local, au niveau de l'école, pour se préparer et pour répondre aux crises qui peuvent se présenter. Enfin, dans les sections, il y aura des exemples dans des encadrés qui permettront donc de décrire un exemple de terrain lié à la gestion des enseignants et comment cet exemple peut permettre de mieux penser la mise en œuvre d'une politique enseignante adaptée aux situations de crise. Alors ici à l'écran, vous avez maintenant les principaux défis. Donc nous avons fait un résumé à l'écran des principaux défis pour les enseignants lors des situations de crise, défis qu'il faut prendre en compte pour développer des politiques enseignantes adaptées aux situations de crise. Comme vous pouvez le voir, peut-être que ce n'est pas assez grand pour que vous puissiez lire, mais tout d'abord, le premier ensemble de défis est lié au recrutement, au déploiement et au maintien des effectifs. Alors ici, nous parlons des pénuries d'enseignants et particulièrement d'enseignants qualifiés. Ensuite, il y a des arrangements contractuels précaires, et donc cela conduit à une précarisation des enseignants. Il y a la question de l'absentéisme. Il y a aussi l'exacerbation de l'écart entre les hommes et les femmes lors du recrutement. Et ensuite, il y a le manque d'accès à des données de qualité pour soutenir le déploiement des enseignants. Le dernier grand ensemble de défis est lié aux conditions de travail, à l'emploi et au bien-être. Ici, nous pouvons voir donc certains éléments qui sont inclus dans cet ensemble de défis. Donc, tout d'abord, il y a les conséquences émotionnelles, psychologiques et physiques sur les enseignants de ces crises. Nous avons aussi inclus les conditions de travail et comment ces conditions de travail peuvent être changées pour les enseignants. On y retrouve également les questions de rémunération et de salaire, et le soutien que les enseignants peuvent recevoir de leurs pairs, des dirigeants d'école, lors de ces situations qui sont très difficiles. Ensuite, il y a la question du défi de la formation initiale et continue. Ici, il s'agit en fait de la qualité de la formation des enseignants. Donc, un des grands problèmes, c'est le manque de formation sur des sujets non traditionnels, à des méthodes, à des types de situations qui sont en fait moins courantes. Enfin, il y a le défi du partage d'informations et des mécanismes de consultation. Ici, c'est un point extrêmement important. On voit que de manière générale, les enseignants sont très peu consultés lorsque les décisions sont prises. Et cela s'empire lorsqu'il y a une situation de crise, comme on a pu le voir avec la crise de la COVID-19. Il y a aussi, bien entendu, le problème de manque d'informations et de communication qui s'exacerbent lors des situations de crise. Il s'agit de défis multiples, complexes, qui montrent bien qu'il est essentiel d'avoir des politiques enseignantes adaptées aux situations de crise pour avoir un enseignement de qualité et pour avoir un apprentissage de qualité lors des situations de crise. Alors maintenant, ce sera ma dernière diapositive. J'aimerais partager avec vous, puisque nous sommes en train de développer, de revoir ces modules. Et donc, pour ce faire, nous avons posé un certain nombre de questions que vous pouvez voir à l'écran. Et ces questions et les réponses qui y seront données peuvent nous permettre, en fait, de voir quels points devraient être clarifiés, devraient être particulièrement soulignés. Quels sont, en fait, selon vous, les principaux problèmes qui devraient se trouver dans le guide? Y a-t-il des informations qui ne sont pas précises? Y a-t-il des contradictions? Et sinon, est-ce que vous avez des ressources ou des exemples que vous pouvez partager avec nous? Nous serions heureux de pouvoir avoir accès à ces ressources et exemples. En effet, les exemples, souvent, sont très parlants pour voir ce qui est possible dans les situations les plus difficiles. Donc aujourd'hui, nous lançons cette consultation sur ce nouveau module. Nous allons partager un lien dans le chat. Et vous aurez donc accès à ce lien après la réunion. Donc n'hésitez pas à examiner ce qui a été fait pour le module, à nous faire des commentaires et nous poser des questions. Merci infiniment.
Et sur cette dernière diapositive, vous avez les liens pour avoir plus d'informations donc sur le module. Une fois encore, j'aimerais remercier tous nos partenaires qui ont rendu cet effort possible, en commençant bien entendu par l'initiative norvégienne sur les enseignants et le soutien de NORAD. Donc merci infiniment, je m'en arrêterai là. Très bien, merci beaucoup Carlos pour cette présentation. Une présentation qui nous donne un très bon exemple de tous les défis qui se présentent pour la gestion des enseignants pendant les situations de crise. Et on peut voir en fait ce qui doit être fait pour réagir à ces défis. Mais sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer notre discussion d'aujourd'hui pour avoir en fait un aperçu de l'expérience de nos panélistes. Et donc j'aimerais commencer avec une question assez large pour Madame Alezuyo. Madame Alezuyo, est-ce que vous pourriez me dire quels aspects de la gestion des enseignants, recrutement, déploiement, conditions de travail et bien-être ont été les plus touchés par les crises qui touchent votre pays? Vous avez la parole. Merci. Chers collègues, tout d'abord, j'aimerais parler de la situation des enseignants en Ouganda. Alors, les enseignants sont payés directement donc par l'État dans mon pays. Et nous avons une aide de l'HCR à ce propos à cause de la situation actuelle. Et nous avons des problèmes notamment de recrutement. La question n'est pas de trouver des enseignants qualifiés. En effet, 90% des enseignants sont qualifiés. Mais le vrai problème est que les camps de réfugiés sont dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Les conditions sont particulièrement difficiles et sont très différentes de celles des communautés traditionnelles. Donc, quand nous recrutons un enseignant qui est qualifié et qui est prêt à aller dans ces camps de réfugiés, où est-ce que cet enseignant peut rester? Comment il ou elle peut-il accéder en fait à ces camps de réfugiés? Donc, c'est un grand problème. Deuxièmement, il y a la question des contrats pour les enseignants qui vont dans les camps de réfugiés. Et ici, quand il y a donc une situation de crise, nous n'avons pas forcément les contrats traditionnels. Il y a des contrats d'un an, de 6 mois, de 3 mois. Et par conséquent, on forme les enseignants sur les situations de crise. Ces enseignants enseignent pendant un an et puis ensuite ils doivent attendre qu'on leur donne un nouveau contrat. Et donc, cela crée des problèmes parce que les enseignants, des fois, n'attendent pas. Ils acceptent un autre emploi dans une autre région. Peut-être qu'ils acceptent un contrat qui leur offre de meilleurs bénéfices. Et comme je l'ai dit, donc il y a le problème du lieu où les enseignants peuvent être logés quand ils vont dans ces camps de réfugiés. Et c'est un problème qui était particulièrement marqué en 2016 avec tous les réfugiés qui sont arrivés du Soudan. La question était de savoir comment loger les enseignants. Après les avoir formés, après leur avoir donné toutes les informations, il était difficile en fait de leur donner des lieux de vie. Alors heureusement, le HCR nous a aidés, nous avons pu avoir des tentes qui ont été construites et puis ensuite nous avons commencé à chercher des situations plus pérennes. Mais je dois dire qu'il s'agit toujours d'un grand problème. En effet, les nombres ne font qu'augmenter pour les réfugiés. Il y a de plus en plus d'élèves dans les classes et donc nous avons besoin de plus d'enseignants. Comment pouvons-nous les aider à accéder à ces lieux? De plus, les enseignants ont des familles. Où est-ce que leurs familles peuvent-elles vivre? Il y a aussi la question en fait de ces familles et de leur accès à l'école, par exemple, surtout avec les changements de lieu d'enseignement. Donc, j'aimerais dire qu'une des plus grandes difficultés que nous avons, c'est le maintien des effectifs lors des situations de crise. Oui, merci beaucoup, Madame Alezuyo. C'est un très bon exemple des défis qui se présentent aux enseignants.
Alors, du recrutement, des lieux de vie, des contrats, etc. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant me tourner vers notre collègue du Burkina Faso, Madame Angeline Yadomba. Et donc, je vais poser cette question en français. S'il vous plaît, quels sont les aspects, je vais vous poser la même question que à Madame Alezouyo. Quels sont les aspects de la gestion des enseignants, que ce soit le recrutement, le déploiement, les conditions de travail et bien-être des enseignants qui ont été le plus sérieusement affectés ou impactés par la crise de l'insécurité et de déplacement au Burkina Faso? Madame Ndomba. Merci, Léonora. Merci aux organisateurs de la rencontre d'associer le Burkina Faso à cette activité. Donc, c'est donc avec plaisir que nous partageons avec vous notre expérience en matière de gestion des enseignants en situation de crise. Il faut dire que le Burkina Faso a connu est présentement dans une crise sécuritaire depuis 2015 et avec un déplacement de population très accentué. Présentement, nous avons plus de 1 400 000 de population déplacée interne. Et comme tous les autres pays également, nous avons connu la crise sanitaire de la COVID-19. Et tout cela, du fait de la crise sécuritaire, nous totalisons 2244 établissements fermés qui affectent 12480 enseignants. Et donc, il faut dire dans la gestion des enseignants, nous nous retrouvons dans deux situations. Nous avons la situation des zones et abandonnées, des zones d'insécurité où les enseignants ont quitté les régions. Et nous avons une seconde situation, c'est la situation des localités qui reçoivent les populations déplacées internes. Donc, dans cette deuxième situation, nous sommes obligés de faire appel au redéploiement des enseignants. Ça veut dire les enseignants ayant quitté leur zone d'insécurité sont réaffectés pour pouvoir combler les besoins d'enseignants dans les zones qui accueillent les populations déplacées internes où les salles de classe se retrouvent avec beaucoup de grands effectifs, parfois au-delà de 100 élèves par classe. Et il faut dire qu'au niveau des zones abandonnées depuis 1 à 2 ans par les enseignants, parce que du fait de la crise, on ne peut pas déployer les enseignants dans ces zones, et il y a des initiatives communautaires. Et dans le cadre de ces initiatives communautaires, par exemple, des communes ont recruté des enseignants, des fils et des filles, qui ont des titres de capacité parce qu'ayant reçu la formation d'enseignants, pour réouvrir les établissements scolaires. Et nous avons, dans ce cadre-là, en tout cas, eu au cours de l'année scolaire, 53 enseignants communautaires qui nous ont accompagnés dans les régions les plus affectées par la crise sécuritaire. Et pour l'année scolaire qui s'annonce également, nous savons que nous aurons à faire recours à ce type de personnel. Donc, lorsque les établissements sont fermés, si on prend les 12 000 et environ d'enseignants, il faut dire que les deux écarts restent dans la commune lorsqu'il y a des établissements fonctionnels et environ un quart est redéployé au niveau national. Voilà. Pour ce qui est des conditions de travail et de bien-être de nos enseignants, il faut retenir que lorsqu'il y a une crise, une école a été attaquée, les enseignants quittent la localité. Mais que les enseignants soient en activité ou pas, qu'ils restent dans leur localité ou qu'ils quittent leur localité pour aller vers des zones plus sécurisées, ils conservent toujours leur salaire et les indemnités liées à leur fonction d'enseignant. Donc, nous ne procédons pas à la suspension du salaire jusqu'à ce que l'enseignant soit redéployé et soit remis en activité. Sur le plan du bien-être social et de l'accompagnement sur le plan du bien-être, il faut dire également que les enseignants, et en tout cas brutalisés, bénéficient d'un accompagnement sur le plan psychosocial. Ils sont mis en contact avec des psychologues. Nous accompagnons également ceux qui ont besoin de prise et de soins sanitaires. Et au niveau du gouvernement, il a pris un décret d'indemnisation des personnels publics de l'État. Et nous avons nos enseignants affectés aussi et reçoivent cette indemnisation. Et
Présentement, il y a une initiative au niveau du ministère qui est d'accompagner tous les victimes et acteurs du ministère de l'Éducation, en tout cas, qui ont été victimes des attaques terroristes. Et pour cette année scolaire, nous accompagnons 17 enfants mineurs d'enseignants décédés dans le cadre de la crise et 40 personnes qui ont vu leur moto retirée ou détruite et près de 200 personnes qui ont perdu un matériel divers. Donc, voici succinctement ce que je peux dire par rapport à la gestion des enseignants en situation de crise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Angéline, pour cette description des difficultés dont sont confrontés les enseignants au Burkina et la réponse que porte le ministère de l'Éducation avec les salaires qui sont toujours versés, l'indemnisation, la prise en charge psychosociale, etc. aussi. Merci beaucoup. I'd now like to turn to Ms. Stella Turehe. Maintenant, je voudrais avoir la perspective de Madame Stella Turehe. Est-ce qu'elle pourrait nous donner la perspective de l'enseignante dont les conditions de travail ont été changées? Est-ce que c'est le nombre d'élèves par classe, des problèmes de rémunération ou des problèmes d'enseignement? Et quels sont les efforts déployés par les enseignants ou par la direction des établissements ou par le ministère pour compenser ces changements de conditions? Madame Stella Turehe, nous vous entendons. Si vous voulez mettre votre caméra, vous êtes libre de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Bonjour à tous. Je salue tous les participants à ce webinaire. En Ouganda, avec la situation, beaucoup d'établissements n'ont pas pu avoir le financement nécessaire et certains établissements privés ont eu du mal à continuer à verser les salaires des enseignants. Plusieurs établissements ont perdu les enseignants. Dans les zones où sont les réfugiés, tous les enseignants ont reçu leur salaire conformément à leur contrat. Et avec la situation de la pandémie, on demande à un enseignant par 20 élèves et il est difficile de respecter ces normes fixées par le ministère en Ouganda. Nous avons besoin de plus de classes et bien sûr, il faut rouvrir les établissements scolaires qui ont été fermés pendant la crise sanitaire. Les enseignants, les directeurs d'établissement et le personnel du ministère ont essayé de faire face aux changements de conditions. Nous n'avons pas vraiment réussi, nous les enseignants, mais il y a une organisation internationale, éducation internationale Ouganda, en partenariat avec le HCR, qui a entrepris des mesures pour permettre aux établissements scolaires de rouvrir, parce que nous avons beaucoup de mineurs inscrits et nous essayons de promouvoir le téléenseignement en nous servant des tablettes distribuées dans les écoles, ce qui a facilité le processus et nous avons pu suivre les programmes d'études grâce à ce téléenseignement. Nous avons fait une certaine planification au niveau communautaire et notre ministère de l'Éducation et des Sports a fourni des matériels pédagogiques pour l'apprentissage à distance, à la maison, et les apprenants ont pu s'en servir.
et ils ont pu avancer dans leurs études. Quant au rapport enseignant effectif dans les salles de classe, c'est un vrai défi parce que nous avons beaucoup d'enfants et peu d'enseignants, mais nous nous sommes efforcés de regrouper les élèves afin d'avoir les meilleures conditions possibles. Merci. Merci beaucoup, Madame Turet. Là, nous avons vu très clairement les défis qui ont modifié votre façon de travailler. Vous avez eu des taux d'inscription très élevés. Vous avez eu les restrictions sanitaires avec la pandémie. Et nous avons vu des réponses de la part des enseignants, de la part du ministère, la fourniture de matériel pédagogique et les dispositifs de téléapprentissage et de téléenseignement. Merci de votre contribution. Maintenant, on va retourner en français. Qui est une enseignante qui est déplacée interne au Burkina Faso. Et grâce, je vais aussi vous poser la même question que j'ai posée à Madame Stella, c'est-à-dire comment vos conditions de travail ont-elles changé pendant la crise et quelles mesures ont été prises par les enseignants, les directeurs d'école ou le ministère de l'Éducation pour compenser le changement de ces conditions de travail. On vous écoute, grâce. Bonjour Madame et merci beaucoup pour la question. Bien, quand l'attaque a eu lieu, l'école est restée fermée et à ce moment, on m'a affecté en première position au chef-lieu de la commune. Maintenant, quand l'année est écoulée, on m'a réaffecté maintenant dans la région. Au niveau du salaire, je le perçois normalement. Le salaire n'a pas été ni suspendu ni changé. Au niveau des mesures prises, j'ai eu une prise en charge psychosociale. Mon inspecteur m'a orienté chez le psychologue, M. Sanwidi Joël, ONG Humanité et Inclusion. Après son soutien, j'ai repris les classes et j'ai constaté à ce niveau que j'avais plus d'effectifs. Il y avait un mélange de réfugiés et la population était haute. Merci. Merci beaucoup, Grâce. Et on apprécie beaucoup votre intervention et qui explicite un peu ce qui a changé pour vous après la crise d'insécurité, la réaffection le fait que la salle de classe était beaucoup mélangée avec les enfants de communautés hautes et aussi avec les réfugiés. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant discuter de la formation des enseignants et comment la formation initiale et la formation continue sont impactées dans les situations de crise. Et pour cela, je me tourne encore en français, donc vers Madame Neya Ndomba du ministère de l'Éducation au Burkina Faso. Donc, ma question c'est, qu'a fait le ministère pour maintenir le développement professionnel des enseignants pendant la crise? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une activité de développement professionnel qui a été mise en œuvre au Burkina? Et qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui s'est avéré un peu plus difficile? Donc, à vous, Madame Neya Ndomba. Merci, Nora. Si tu permets, je voudrais compléter un peu, juste un peu la première question, en évoquant qu'au Burkina Faso, nous avons aussi les camps de réfugiés. Voilà, donc nous avons au niveau du camp de réfugiés, des enseignants du Burkina Faso qui interviennent dans les classes avec l'accompagnement d'enseignants communautaires de maliens, parce qu'il s'agit de réfugiés maliens. Voilà, je voulais compléter cela avant de passer à ta deuxième question. Donc, il faut dire que pour le développement professionnel des enseignants au niveau du Burkina Faso, nous développons en tout cas un paquet d'activités pour le renforcement des activités et pour le renforcement des capacités des enseignants. Et ce travail, nous le faisons avec les partenaires et membres du cluster éducation et bien sûr tous les partenaires qui accompagnent le ministère dans la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso et également de la crise sanitaire. Et dans ce paquet d'activités, comme il faut noter qu'effectivement, suite aux attaques terroristes, il y a vraiment beaucoup de chocs
que en milieu scolaire, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des élèves. De ce fait, une priorité est mise sur la formation des acteurs sur l'approche Safe School. Voilà, l'approche Safe School, c'est vraiment une approche qui permet aux enseignants d'analyser leur environnement et de préparer des plans de riposte, de préparation et de riposte en cas de situation de crise. Et c'est la formation, en tout cas, présentement, l'accent est mis dans les zones à défi sécuritaire, mais également, on fait tout pour l'étendre aux autres zones du pays. Et cette formation est faite tant en continu, en termes de formation continue, mais les enseignants aussi, les nouveaux enseignants la reçoivent déjà et dans les écoles de formation parce que le module a été pris en compte au niveau de la formation des enseignants initiale. Nous avons également un module d'appui psychosocial pour la gestion du stress. Là, il faut dire que ça, c'est vraiment une expression qui nous est venue du terrain au regard des difficultés. Ça a été déjà évoqué par la collègue de l'Ouganda. Ça veut dire dans les situations de crise, là, il y a vraiment ces besoins de prise en charge des conséquences physiques, émotionnelles et autres. Donc, nous avons conçu au niveau du Burkina un module sur l'appui psychosocial. Et ce module est utilisé pour former les enseignants, pour renforcer leurs capacités, d'abord pour eux-mêmes et encore pour leur permettre de pouvoir accompagner les élèves dont ils ont la charge. Donc, parmi également le paquet d'activités, nous avons les approches pédagogiques, ça a été évoqué, nous avons les déplacés internes qui viennent dans certaines localités et qui gonflent les effectifs. Alors, il faut donner les capacités aux enseignants, non seulement de gérer les grands effectifs, mais aussi la capacité pour eux de pouvoir gérer ces enfants affectés qui arrivent dans des situations souvent pas faciles. Donc, nous avons également nous travaillons toujours avec les collègues, les membres, les partenaires qui nous accompagnent sur la vulgarisation et la sensibilisation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Nous pensons que c'est très important de faire connaître cette déclaration et également au niveau des communautés pour que chacun à son niveau puisse jouer son rôle sur la protection des écoles. Et si je dois donner un exemple réussi, en tout cas en termes de renforcement des capacités des enseignants au moment de cette crise au Burkina Faso, je dirais que c'est notre expérience sur l'appui psychosocial. Le cluster nous a accompagnés. Nous avons conçu notre module. Le module est aujourd'hui disponible et sert de base à la formation, en tout cas des enseignants. Et le besoin est fortement exprimé par rapport, je l'ai énoncé tantôt, au déplacement interne de population très massif auquel nous participons, avec bien sûr des enfants et des élèves déplacés internes qu'il faut prendre en charge dans les écoles. Et ce module aussi, nous sommes en train de vouloir l'enrichir en partenariat avec le Conseil norvégien des réfugiés parce qu'ils ont un programme très pratique, le Learning Program, que nous avons trouvé très intéressant dans la gestion du stress dans la classe et nous sommes en train de travailler ensemble pour enrichir notre module d'APS. Maintenant, quels sont les défis? Notre défi vraiment, c'est de réussir l'enrichissement du module d'appui psychosocial. Pour poursuivre le renforcement des capacités des enseignants sur l'appui psychosocial. Et en tout cas, à cela, il faut ajouter le besoin également de former les enseignants sur l'éducation à distance. Parce qu'avec la COVID-19 au niveau du Burkina Faso, nous avons conçu beaucoup de ressources pédagogiques numériques que nous avons mis sur une plateforme, mais que nous partageons aussi avec les élèves à partir des supports disponibles. Et pour permettre aux enfants de pouvoir bien utiliser ces modules, nous avons besoin de disposer à notre niveau d'un module de formation des enseignants sur l'éducation à distance, mais aussi des outils de suivi de cette formation. Parce qu'il nous faut nous assurer si effectivement les élèves arrivent à suivre la formation à travers les médias, radio, télévision et autres, et comment ils arrivent à exploiter les clés USB et les radios mises à leur disposition, et surtout comment nous assurer que les enfants apprennent
lorsqu'on leur dit de faire l'éducation à distance. Donc, l'autre défi, bien sûr, reste la mobilisation des ressources et bien sûr, le suivi, évaluation de tous ces programmes que nous développons. Et pour finir, je voudrais dire également qu'au niveau du Burkina Faso, nous sommes en train de travailler, en tout cas, à comment opérationnaliser le triple nexus, et voilà, développement humanitaire, paix. Et je pense que, en tout cas, c'est dans l'optique, en tout cas, d'avoir des politiques adaptées à la gestion des crises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Naya Ndomba, de nous avoir partagé votre forte expérience au Burkina à travers ce programme de renforcement des capacités des enseignants, qui semble vraiment être un paquet très compréhensif en couvrant les besoins psychosociaux, les approches pédagogiques, la sécurité, la protection des écoles, etc. Donc, merci infiniment et qui, effectivement, semble aussi réunir, semble s'adresser au triple nexus, effectivement. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je me tourne encore une fois vers Grace en tant qu'enseignant. Grace, on va vous écouter, on ne vous demande pas de mettre la vidéo, évidemment, pour des raisons de protection. Donc, on voudrait savoir plus sur votre expérience aussi avec le développement professionnel. Depuis que vous travaillez avec les apprenants déplacés, avez-vous eu l'opportunité d'un développement professionnel supplémentaire? Et qu'est-ce qui a bien fonctionné? Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels vous pensez avoir besoin d'une formation afin de mieux soutenir les apprenants affectés par les crises? Donc, je vous donne la parole, Grace. Merci pour la question. Bien, j'ai bénéficié d'une formation sur Safe School. À ce niveau, on nous a appris, maître et élève, comment se comporter en situation d'attaque terroriste. Après, on fait l'assimilation avec les élèves pour prévenir les dangers à l'école. Cette formation vise à préparer et amener les enseignants et élèves à s'organiser en vue d'anticiper sur une éventuelle attaque qui surviendrait dans une institution scolaire. Celle-ci leur vise à établir un plan sauvetage, d'évacuation et de secours. J'ai besoin d'une formation en premier secours psychologique afin d'accompagner les enfants traumatisés pour les remettre en confiance. Et pourquoi cette formation? Parce que je suis dans une école qui accueille beaucoup d'élèves déplacés. Et on a constaté que ces élèves n'arrivent pas à se concentrer. Ils ont peur souvent, ils n'ont pas le courage d'apprendre, ils se battent, ils sont agressifs et il y a la discrimination. Merci. Merci beaucoup, Grace. C'est très intéressant d'entendre un peu les besoins qui vous ont fait avoir l'opportunité, on va dire, d'avoir cette formation sur les safe schools. Et c'est très intéressant que c'était une formation qui à la fois comprenait les enseignants, mais aussi les élèves. Et ensemble, vous avez pu réfléchir à comment anticiper, comment réagir si par malheur une situation arrive. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous, Grace. Now we're going to... Et maintenant, nous allons parler un peu plus du partage d'informations et des mécanismes de consultation. Et donc, maintenant, je vais me tourner vers nos collègues d'Ouganda. Tout d'abord, Madame Alezouyo. Nous aimerions en savoir un peu plus sur la façon dont vous organisez les consultations avec les enseignants. Quel type de mécanisme de consultation a été lancé par votre ministère pour consulter les enseignants et partager des informations avec eux? Y a-t-il d'autres possibilités pour que les enseignants puissent participer au processus de prise de décision? Vous avez la parole. Madame Alezouyo. Est-ce que vous nous entendez? Alors, il y a peut-être un problème technique. Et donc, en attendant, je vais poser une autre question, cette fois à Stella, qui concerne également les questions de communication et de coordination.
Stella, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle que vous avez joué pour communiquer avec les écoles, notamment par le biais des campagnes pour le retour à l'école ou pour encourager les réfugiés et les déplacés internes à se rendre à l'école? Oui, merci. Alors, nous avons une communauté éducative. Et donc, nous avons pu communiquer avec les parents pour qu'ils puissent nous aider à organiser un certain nombre d'activités qui ont lieu au sein des communautés. Nous avons aussi fait la promotion d'informations sur l'enseignement au sein des communautés par le biais de programmes de sensibilisation. Nous avons organisé un certain nombre de réunions pour avoir des retours sur ces modules. Et nous avons également créé des groupements pour aider les enseignants et apprenants dans les communautés. Nous avons également créé un nouveau canal pour donner les informations vitales nécessaires aux écoles avec des informations pour l'égalité garçons-filles dans les écoles, et nous avons également donné accès à des ensembles de documents pour les enseignants. Pour la promotion de l'enseignement à la maison, nous avons fait en sorte que aucun apprenant ne soit laissé sur le bas-côté. Et donc, avec nos partenaires, nous avons donné accès à des lignes directrices pour l'enseignement à la maison. Nous avons notamment fait des formations sur la santé sexuelle et pour empêcher en fait, les infections sexuellement transmissibles. Nous avons donné accès à des sources d'électricité solaire pour que les appareils puissent être utilisés. Nous avons essayé d'aider au mieux les apprenants qui faisaient face à de nombreux défis, par exemple les enfants avec des besoins spécifiques. Et nous n'avons pas pu forcément atteindre tous les apprenants, puisqu'il y a notamment des problèmes d'accès à des tablettes ou à des ordinateurs. Et on peut voir que les apprenants étaient particulièrement touchés, qu'ils devaient donc accéder aux écoles pour avoir accès à ce matériel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Stella. C'est très intéressant d'entendre tout ce que vous avez fait, l'engagement que vous avez eu avec la communauté, que vous avez maintenu, le suivi des enseignants, des foyers, avec les campagnes notamment de sensibilisation des communautés. On voit que vous avez vraiment fait de votre mieux pour dépasser les défis liés aux questions de connectivité, notamment avec des programmes à la radio. Et vous avez aussi travaillé sur des défis qui sont des défis persistants, notamment les questions d'accessibilité. Donc merci beaucoup pour votre commentaire. Alors peut-être que nous allons pouvoir revenir à ma dernière question qui s'adressait à Madame Alezouyo sur les mécanismes de consultation. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, très bien. Alors, j'aimerais vous poser à nouveau la question. La question concernait les mécanismes de consultation qui ont été mis en œuvre par votre ministère pour partager des informations avec les enseignants, mais aussi pour créer un mécanisme de consultation avec les enseignants pendant les situations de crise. Et j'aimerais savoir, en fait, quelles sont les opportunités que les enseignants ont de participer au processus de prise de décision. Merci beaucoup une fois encore. Alors,
Quand on examine les mécanismes de partage d'informations, on voit qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a le système de gestion d'informations pour les enseignants qui a été créé pour avoir une idée d'où se trouvent les enseignants, de leurs qualifications, etc. Alors, donc, nous avons les agents chargés de l'enseignement dans les districts et ils ont accès à ces informations. Et donc, quand cette information est disponible, eh bien, on l'utilise pour pouvoir communiquer avec les communautés où ces enseignants se trouvent. Il y a aussi les associations d'enseignants, donc dans le primaire, le secondaire, dans les écoles publiques comme les écoles privées. Et donc, grâce à cela, on peut faire passer des informations. Et grâce à ces organisations d'enseignants, les enseignants peuvent nous faire part de leur retour. De manière plus spécifique, au niveau de l'école, nous avons un système qui a été mis en place, qui était très utile, notamment pendant les confinements et les fermetures d'écoles. Donc, cela a permis en fait de donner des informations aux enseignants, de donner accès à des supports de formation, de communiquer avec donc les élèves qui étaient isolés. Et ici, nous avons notamment utilisé WhatsApp. C'était quelque chose qui était très utile pour rester en communication. Nous utilisons d'ailleurs toujours WhatsApp pour donner des informations, pour avoir des retours et parfois, c'est très utile en fait, d'utiliser ces canaux, notamment quand il y a une réouverture d'une école pour donner des informations sur la COVID-19. WhatsApp nous permet d'envoyer des alertes très rapides et nous pouvons aussi donner des informations sur les formations disponibles pour que tous puissent s'assurer de ce qui est disponible, de ce qu'ils doivent faire. Nous avons aussi des programmes radio qui ont déjà été mentionnés, que nous utilisons pour l'apprentissage à domicile. Mais ce sont aussi en fait, des programmes qui nous permettent de sensibiliser. Alors bien entendu, nous avons aussi des questions d'accès. En effet, toutes les écoles et tous les enseignants ne sont pas forcément dans des zones avec une bonne connectivité. Donc parfois, il est difficile pour ces enseignants d'avoir les messages WhatsApp, surtout dans certaines zones du pays. Ensuite, avec les fermetures d'écoles, parfois les enseignants ne sont plus dans la localité de l'école. Parfois, ils sont revenus dans leur région d'origine. Et parfois, il peut être plus difficile, plus complexe donc, de communiquer avec eux. Mais quand les enseignants restent dans leur localité de travail, nous pouvons généralement les contacter. Nous avons aussi le syndicat national des enseignants. Et nous passons par ce syndicat pour communiquer avec les enseignants. En effet, il y a des branches au niveau national, mais aussi au niveau des communes. Et cela nous permet de communiquer avec les enseignants, d'avoir des retours de ce qui se passe sur le terrain. Et les enseignants peuvent nous dire, en fait, ce dont ils ont besoin. Et parfois, cela nous permet aussi de dispenser des formations plus facilement pour que les enseignants soient bien préparés. Donc voilà quelques mécanismes que nous avons utilisés pour le développement professionnel notamment. Et j'aimerais répéter ce qu'a dit Stella. Stella a parlé d'un aspect très important, les comités d'éducation dans les villages. En effet, il y a des parents qui font partie de ces comités. Et il y a des mécanismes qui permettent de nommer en fait des enseignants. Cela permet vraiment d'aller chercher les enseignants où ils sont et de leur faire passer des informations très rapidement. Et les enseignants ont aussi des liens directs avec les directeurs d'école et cela permet de donner accès aux informations également. Par exemple, comme je l'ai dit, certains enseignants dans certaines régions n'ont pas vraiment de connectivité, n'ont pas accès au réseau, aux messages WhatsApp. Parfois, il faut qu'un enseignant fasse 15 km de route pour pouvoir accéder à ces informations. Eh bien, ces liens qui existent leur permettent en fait de répondre à ce défi. Et cela leur permet d'avoir accès notamment à des formations. Et donc, voilà, on peut trouver des moyens de faire passer l'information autant que possible. Très bien, merci beaucoup, Madame Alezuyo. Comme vous l'avez dit,
La COVID-19 a été une opportunité pour utiliser de nouveaux modes de communication. C'est très intéressant de voir qu'il y a donc des consultations qui utilisent des mécanismes formels, notamment avec les associations d'enseignants, les syndicats, mais aussi les groupes qui existent dans les communautés avec l'implication des parents et que cela permet de créer des liens entre les enseignants et les parents. Mais il y a aussi donc ces modes de communication plus informels, par exemple WhatsApp, comme vous l'avez précisé. C'était très intéressant, merci beaucoup. Eh bien, je vois que nous avons eu beaucoup de questions dans le chat. Et tout d'abord, j'aimerais remercier tous nos intervenants. Merci beaucoup pour les informations que vous avez partagées avec nous. C'était vraiment très intéressant. Cela vraiment va nous permettre de réfléchir à ces questions. Et il y a beaucoup de questions dans le chat. Et donc, j'aimerais donner la parole à ma collègue Charlotte du HCR qui s'occupera de poser les questions dans, qui nous viennent du chat. Merci Léonora, merci une fois encore à tous les intervenants. Cette discussion était absolument fascinante. Il y a en effet beaucoup de questions dans le chat. Donc nous allons en sélectionner quelques-unes de l'audience et je demanderai aux intervenants de répondre à ces questions. Donc peut-être commençons à une question pour les enseignants. Je vais poser cette question à Stella, si elle accepte donc d'y répondre. Quel est le rôle des parents et des communautés pour vraiment dépasser les défis que vous avez mentionnés? Donc Stella, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle des parents et le rôle des communautés pour vraiment réagir aux défis que vous avez mentionnés? Merci. Les parents nous ont vraiment permis de réagir aux différents défis qu'il y avait dans le secteur de l'éducation. Ils ont encouragé les élèves, les apprenants à faire leurs devoirs. Ils les ont encouragés à utiliser le matériel pédagogique qui leur avait été donné, et ce, au bon moment. Nous avons organisé un certain nombre de visites et nous nous sommes aperçus que vraiment les parents ont pu aider les apprenants au sein du foyer et ils ont vraiment donné toutes les ressources qui étaient à leur disposition pour que les apprenants aient vraiment un espace d'apprentissage de qualité. Et cela a permis vraiment d'avoir de l'enseignement à la maison, dans le foyer. Merci. Merci beaucoup, Stella. J'aimerais maintenant poser la prochaine question en français. À laquelle je vais demander à Grace si elle veut bien répondre. Alors, Grace, vous avez parlé des formations psychosociales, etc. Est-ce que vous pourriez partager certaines des perspectives des enfants ou des réflexions, des feedbacks que vous avez pu recevoir des élèves concernant l'impact de la situation de crise sur leur propre apprentissage? Et est-ce que vous pourriez partager quelques exemples de l'impact de la formation en psychosocial sur les enseignants et par extension sur les élèves? Grâce, est-ce que vous m'entendez? Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le prendre en d'autres termes pour que je puisse me comprendre? Oui. Donc, la question était, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des retours que vous avez eus des élèves eux-mêmes et comment les élèves eux-mêmes décrivent l'impact que la crise a sur leur apprentissage? C'est la première partie. Et à la suite de cela, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel impact la formation en psychosocial que vous avez suivie a eu sur les enseignants et donc par extension sur les élèves? Tu as suivi.
que c'est plus clair. Certains, bon, les élèves n'arrivent pas à se concentrer en classe. Et ils sont agressifs, ils se battent, il y a certains qui ont peur, il y a la discrimination. Bon, maintenant, la formation, c'est, je suis la formation APS. Et Grace, est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots en quoi cette formation t'a aidé dans ta classe en tant qu'enseignante? Ah, ok, cette formation m'a permis de permettre aux élèves d'avoir le courage d'apprendre et d'avoir l'esprit tranquille étant en classe et de ne pas être agressif et donner un bon exemple. Entendu. Merci beaucoup. Merci, Grace. Une autre question un petit peu en lien avec la formation, mais cette fois plus sur le plan de la formation initiale, peut-être pour Angéline. Angéline, est-ce que vous pourriez nous dire si et comment les leçons qui ont été tirées de la crise actuelle sont prises en compte dans la formation initiale des enseignants? Et si tous les modules que vous avez développés pour la formation continue des enseignants permettent également une mise à jour ou sont également inclus dans la formation initiale des enseignants pour intégrer toute la partie gestion de crise dès la formation initiale des enseignants. Angéline, à vous, s'il vous plaît. Merci. La formation initiale, il faut dire que l'intégration des contenus dans le programme de formation initiale des enseignants suisses, c'est tout un processus. Donc, de ce fait, et à l'étape actuelle, et étant entendu qu'au niveau du Burkina Faso, c'est en 2017 que nous avons commencé la formation des enseignants sur l'approche Safe School. À l'étape actuelle, cette approche, ce programme est intégré dans la formation continue des enseignants. Ça veut dire que c'est pris en compte dans le programme de formation des enseignants dès les écoles, dès leur entrée à l'école de formation, la formation initiale. Mais il y a également des modules que nous utilisons pour renforcer les capacités des enseignants qui sont déjà prises en compte dans le programme de formation des enseignants. C'est surtout les approches pédagogiques. Ça veut dire les approches pédagogiques sur la pédagogie différenciée, le tutorat, la pédagogie de groupe, la gestion des classes difficiles, la pédagogie sensible aux gens. Ce sont déjà des thématiques qui sont prises en compte dans la formation initiale des enseignants. Mais que nous avons besoin d'adapter, en tout cas, de façon pour renforcer les capacités des enseignants qui sont dans certaines situations au niveau des zones, qui tiennent les classes dans les zones à fort défi sécuritaire et dans les zones d'accueil des populations déplacées internes. Pour l'appui psychosocial, c'est vraiment une nouvelle thématique pour nous. Comme je le disais tantôt, notre module est conçu, nous sommes toujours en train de le parfaire. Mais au regard même de la demande qui nous vient du terrain, nous pensons, et au regard aussi de la crise qui perdure dans notre pays, nous pensons qu'il y a nécessité en tout cas d'enclencher le processus pour voir comment ce module-là pourrait déjà être dispensé aux enseignants dès la formation initiale. Mais pour le moment, cela n'est pas une effectivité. C'est juste un... Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une réflexion en cours avec les services techniques en charge de la formation des enseignants. Donc, voilà. Merci beaucoup, Angéline. Merci. Maybe, Connie,
another question for you, if you can hear us, Connie. Yes, great. So a question on recruitment for you. So to address access, can it be possible to recruit the teachers locally to the emergency context or from within? So is it possible to have some kind of alternative teacher recruitment modalities from the emergency context itself to address access difficulties? Over to you, Connie. Thank you. Very quickly, I think it is possible, but not to the scale required, because when we see the location of where the emergency the children are or the schools are, it is not in highly populated places. These are very remote, sparsely populated districts or areas. And as a result, you cannot get enough teachers. And usually when the recruitment is done, we also do get some teachers from the refugee community, although now they meet a challenge of being able to meet the requirements for recruitment and recruitment as teachers because of the varying certification models and the lack of arrangements, inter-country arrangements, say with either South Sudan or DRC, where the teachers would seamlessly just come and present their papers. Alors, vous avez par exemple des personnes qui viennent de la RDC et qui sont des professionnels et qui présentent leurs documents pour prouver qu'elles ont fait des formations d'enseignants, mais on a une procédure où la personne présente ses documents et occupe un poste d'assistant au début, mais bon, pour le recrutement, cela dépend de la matière. Peut-être pour le niveau primaire, vous auriez la possibilité de recruter des personnes locales, mais si vous voulez quelqu'un au niveau secondaire qui enseigne l'anglais, vous aurez du mal à retrouver les personnes dans la localité. Bien sûr, il serait souhaitable de pouvoir recruter localement et vous n'auriez pas tous les autres défis liés au recrutement à distance. Merci, merci beaucoup Connie et merci à tous les intervenants. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous aujourd'hui. Maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Carlos Vargas Tamés qui va faire quelques commentaires en guise de conclusion. Alors, je voudrais juste signaler que nous avons des questions concernant le module et le processus de consultation. Il y avait des questions qui concernaient le contenu du module. Est-ce qu'on va comprendre la question de l'enseignement privé, du rôle des parents, du rôle de la communauté et comment est-ce qu'on va voir la participation des enseignants dans le processus de ce module? Vous pourriez peut-être essayer de répondre à ces questions aussi. Merci, merci Charlotte et merci à tous les intervenants et à tous les participants. La discussion a été très intéressante. J'ai noté les questions soulevées. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais les réponses de l'Ouganda et du Burkina Faso nous ont montré la diversité de défis, également quelques pratiques mises en place pour assurer la bonne continuité de l'apprentissage. Bon, il nous reste peu de temps, mais il y a deux questions qui ont été soulevées, notamment celle qui concerne la participation des parents et des communautés à ce processus. Madame Anezuyo a déjà parlé du rôle des parents et des communautés, mais je peux vous assurer que c'est un des éléments qui seront traités dans le guide. Nous voyons le rôle de l'enseignant comme un personnage important de la communauté, notamment en situation de crise. Et il faut voir les liens entre les enseignants et les apprenants, les familles des apprenants. Et ces liens ont joué un rôle capital dans la réaction des communautés aux situations de crise. Ensuite, il y a d'autres éléments de changement concernant le calendrier ou les formats, par exemple. Quant à l'enseignement privé, c'est un des problèmes les plus complexes.
nous nous sommes rendu compte qu'en situation de crise, lorsqu'il y a des troubles, les conditions de travail et la rémunération des enseignants dans le domaine privé sont sont plus impactées. Les salaires sont suspendus, il y a des suspensions de postes que nous ne voyons pas dans le domaine de l'enseignement public. Mais lorsqu'on voit tous les éléments nécessaires à ce guide pour l'élaboration d'une politique enseignante, nous avons ce module qui s'applique aux situations de crise, mais également un module consacré au financement nécessaire. Et il y a une partie consacrée à la planification en amont pour assurer qu'il n'y ait aucune interruption dans les services et les prestations et la rémunération des enseignants, cela dans le domaine public et dans le domaine privé aussi. Alors, nous avons bien sûr tiré des enseignements, des expériences dans des situations informelles et ceci pourrait être important, mais pour le moment, nous n'avons pas le secteur informel dans le guide. Mais nous voyons qu'il y a de nombreux éléments qui participent à l'élaboration d'une politique enseignante. Alors, encore une fois, je voudrais remercier tous les participants et notamment Lenora. Merci d'avoir modéré cette discussion et merci à Charlotte aussi et merci au HCR. Merci de votre soutien au projet. Nous voyons ici qu'il s'agit d'une excellente collaboration. Nous avons le soutien de l'initiative NTI aussi. Ben, comme nous l'avons dit, il s'agit d'un module développé avec l'initiative NTI et nous allons noter les commentaires. Nous allons faire des comptes rendus des différentes études de cas et je crois que vous pourrez voir ces commentaires. Notre date butoir pour les commentaires, c'est le 1er octobre. Ensuite, le module sera publié dans le contexte du guide pour l'élaboration d'une politique enseignante et nous espérons que ce travail aidera à soutenir les enseignants et les apprenants en situation de crise. Et merci à vous tous. Merci de vos contributions pour l'élaboration de ce module. Bonsoir, bonjour, bonne fin de journée à tous.